وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Donc, inshallah, mes frères, on va commencer à partir d'aujourd'hui à énoncer certaines règles concernant le jeûne en général et le jeûne du mois de Ramadan en particulier. Comme ça, inshallah, nous préparons l'arrivée du mois de Ramadan avec science. Et le musulman, il lui faut absolument adorer son Seigneur avec clairvoyance. Donc il faut que tu saches comment adorer Allah pour que ton adoration elle soit acceptée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa an tuqaddima hadhihi al-ibada ala ahsani al-wujuh, ala ahsani wajh. Et que tu fasses cette adoration de la meilleure des manières. Idan, le jeûne, dans la langue arabe, ça veut dire l'imsak. Comme a dit Maryam, alayhi salam, wa rahimahullah, wa radiyallahu anha, qu'elle a dévoué ce jour-là un jeûne, mais c'est un jeûne spécial. C'est pas un jeûne où on ne boit pas, on ne mange pas, mais c'est un jeûne où elle ne parlait pas. La définition du jeûne, c'est le fait de ne pas prendre tout ce qui rompt le jeûne, le mufattirat, depuis le lever du fajr al-sadiq, c'est-à-dire la vraie heure du fajr, non pas la fausse heure, parce qu'il y a une fausse heure du fajr. Les gens croient que c'est le fajr, mais ce n'est pas encore le fajr. Jusqu'au coucher du soleil, avec une intention, car c'est une adoration. Et on a dit à plusieurs reprises, qu'est-ce qui différencie une adoration qui peut différencier deux actes, c'est les mêmes. Apparemment, c'est exactement les mêmes. Il y en a un, c'est une adoration, l'autre, c'est pas une adoration. C'est la seule chose qui différencie, c'est un niyya. Par exemple, quelqu'un se lève, il se lave le visage, il se lave les bras, il se lave la tête, les oreilles, les pieds. Mais il n'a pas de niyya. Dans son cœur, il n'a pas l'intention de se purifier. Ça, c'est pas le wudu. Ça, on n'appellera pas ça le wudu. C'est juste laver, c'est rafraîchir. Et une autre personne qui fait exactement les mêmes actes avec une niya, avec l'intention dans son cœur, il a fait le wudu. Il a fait hadi la ibada, il a fait cette adoration. Kadhalika, quelqu'un se réveille aujourd'hui, toute la journée il ne mange pas, il ne boit pas, et le soir il mange. Est-ce que c'est un jeûne? Là. Il n'a pas fait ça pour s'approcher d'Allah, pour plaire à Allah. Donc, ce n'est pas un jeûne. Le jeûne, c'est celui qui est fait avec une niya. Vous avez compris la différence, ikhwat al-iman? Pareil, quelqu'un, il se sent sale, il rentre, il se douche. Et il sort. Et un autre, il rentre, il est sale, il rentre, il se douche, mais il met l'intention de le tahar al-kubra, d'avoir les grandes ablutions. Il sort ou à la wudu. Il peut faire salat directement. Un, il peut faire salat, l'autre, il ne peut pas. L'autre, il ne peut pas. Tout ça, c'est quoi qui le différencie? Al-niyya. Barakallahu fikum. Donc, il faut savoir que le jeûne du mois de Ramadan, il est devenu obligatoire dans la deuxième année de l'égir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au mois de Sha'ban. Avant ça, il y avait un autre jeûne qui était obligatoire, c'était le jeûne de Ashura, le 10e jour de Muharram. Pendant 2 ans, c'était obligatoire. Quand le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Al-Madinah, il trouvait que les gens jeûnaient Ashura. Et il a ordonné les musulmans de le jeûner. Donc il jeûnait obligatoirement le jour de Ashura. Jusqu'à que le jeûne de Ramadan est devenu obligatoire. Alors le jeûne de Ashura est resté, mais non plus obligatoirement, mais recommandé. Non. 3 sortes de jeûnes sont obligatoires. Le jeûne du mois de Ramadan. Le deuxième jeûne qui est obligatoire, c'est les expiations. Pour expier certains actes en islam, par exemple, un vihar, c'était à l'époque quand quelqu'un disait, tu es pour moi, sa femme, il disait, tu es pour moi haram comme le dos de ma mère.
Allah tabaraka ta'ala, il a obligé à ces gens qui disent ça, avant de toucher leur femme, de jeûner 2 mois d'affilée. Avant de le pouvoir refaire l'acte avec elle, pendant 2 mois, il devra jeûner. Mutatabi'in. Suivi. De même, celui qui tue un musulman, par erreur, il devra jeûner 2 mois d'affilée. De même, quelqu'un qui fait l'acte charnel avec sa femme pendant les jours de Ramadan, alors il aura une expiation de 2 mois de jeûne suivi. Pendant la journée, bien sûr, pas la nuit. Pendant les jours de Ramadan, les journées, pas la nuit. Non, la nuit, c'est halal, alhamdulillah. C'est pour ça, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, il vous a été autorisé les nuits de jeûne, rafathu ila nisaikum, d'aller à vos femmes, elles sont un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour elles. Les nuits du jeûne, il n'y a pas de problème, c'est les journées. Non. والثالث صوم النذر. Quelqu'un qui a fait un nadr, un vœu. Quelqu'un qui a fait un vœu à Allah tabaraka wa ta'ala. Par exemple, il a fait le vœu, Ya Rabb al-Alamin, si tu me donnes telle chose, je jeûnerai 10 jours. Il est obligé de jeûner 10 jours. C'est wajib alayh. Ya Allah, si tu guéris mon enfant, je vais faire une umrah. Tu es obligé d'y aller, obligé. Ya Allah, si tu me donnes telle chose, je vais faire une sadaqa de 10 000 euros. Tu es obligé. Al-Nadr, tu es obligé de le pratiquer. Idan, al-Nadr wal-Kaffarat, on va laisser ça parce que ça, laha abwab fil fiqh. Ça, c'est des chapitres spécifiques dans le fiqh. On en parlera plus tard, inshallah. Aujourd'hui, on va parler de Siyam Ramadan, du jeûne du mois de Ramadan et du jeûne en général. Le statut du jeûne le mois de Ramadan. Toute la communauté, il y a le consensus pour dire que jeûner le mois de Ramadan, c'est une obligation. Ça fait partie des choses qui sont nécessairement connues dans l'islam. Et cette chose, cette définition, elle est importante. Ça veut dire que c'est les choses qui sont nécessairement connues en islam. Si une personne renie une de ces choses-là, il sera mécréant. Par exemple, quelqu'un dit, oh non, le vin c'est halal. Quelqu'un dit, où est-ce que tu as vu ça que le hijab c'était obligatoire? Quelqu'un dit, le jeûne de mois de Ramadan, si tu veux, c'est pas obligatoire. Celui qui dit ça, s'il n'est pas ignorant, alors il a fait du kufr. S'il est ignorant, tuqam alayhi al-hujja. Mais normalement, ça c'est des choses que tout le monde doit connaître. Aujourd'hui, comme le jahl, l'ignorance elle est très très répandue. On ne se dépêche pas de juger que tel et tel est apostat ou il est sorti de l'islam. D'ailleurs, ce n'est pas notre travail, c'est le juge musulman qui juge ça. Ce n'est pas à nous de juger cela. Donc il y a des conditions, il y a beaucoup de conditions et il y a des mawani, il y a des choses qui empêchent de juger sur quelqu'un, même s'il fait un acte de kufr, de juger que lui-même est devenu mécréant. S'il est ignorant, s'il kan muta'awwilan, il pensait avoir il a mal interprété, il a voulu vraiment démentir Allah et son prophète. On ne dit pas de lui que c'est un mécréant, jusqu'à qu'on lui explique bien les choses. En général, si quelqu'un renie une chose connue nécessairement en islam, la règle générale, « annahu yakfur ». Donc, « awalan », le dalil min al-kitab du Coran, « oh vous qui avez cru », le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous, peut-être atteindriez-vous la piété. « Wa min as-sunnati » قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح والحديث رواه البخاري. الإسلام a été bâti sur 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. نعم. ces 5 piliers ils sont bien clairs dans le hadith. كذلك il y a un autre hadith et ce hadith بارك الله فيكم. J'aimerais bien que vous le répandiez autour de vous, à tous les shabab, à tous ces jeunes que je sais que, ou alors des moins jeunes qui pendant le Ramadan se permettent de rompre le jeûne en cachette, qu'ils écoutent ce hadith. Peut-être ils auront peur et ils ne le feront pas. Surtout maintenant que la chaleur arrive et les journées sont longues. Il ne faut pas hésiter à motiver les gens à jeûner et aussi à les mettre en garde de ne pas jeûner. Donc le fait de rompre, comme on a dit, من أفطر يوما من أيام رمضان فقد أتى كبيرة من الكبائر. Il a fait un grand péché.
Donc ce hadith, c'est un long rêve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et dans ce rêve, il était avec deux personnes, il était en fait avec Jibril et Mikaïl. Et il a vu plusieurs sortes de personnes dans ce rêve. Parmi les gens qu'il a vus dans ce rêve, pendant qu'il a marché, il a dit « J'étais dans une plaine proche des montagnes, j'ai entendu des voix très fortes. » J'ai dit « Que sont ces voix ?» Ils ont dit « Ce sont les cris des gens de l'enfer. » Puis on m'a emmené dans les vallées des montagnes, j'ai vu des gens accrochés par leur talon d'Achille. Leur bouche était ouverte, coupée, et le sang coulait de leur bouche. C'est-à-dire la tête à l'envers, accrochée par leur talon d'Achille. Il a dit, qui sont ceux-là? Ils ont dit, ce sont ceux qui ont rompu le jeûne avant que ce soit le moment de le rompre. Et là, il croit à l'Iman, regardez le châtiment de celui qui rompt le jeûne, amenan. Celui qui rompt le jeûne pendant Ramadan, consciemment, et qui ne fait pas le jeûne, voilà ce que sera son châtiment. Donc regardez ce qu'ils ont dit les ulama sur la question de ne pas jeûner le mois de Ramadan, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Al-Hafidh al-Dhahabi, rahimahullah, a dit, c'est connu chez les croyants, quand il dit « عند المؤمنين », c'est-à-dire chez les savants, et chez les croyants pieux, que celui qui jeûne, qui laisse le jeûne du mois de Ramadan, sans raison valable, sans excuse, il est pire que le fornicateur et celui qui boit et l'alcoolique. Mais ils ont même des doutes pour savoir est-ce qu'il est musulman ou non, cette personne. Il y a des doutes. Et ils disent que c'est un zindiq. Un zindiq, c'est un apostat ou quelqu'un, il joue avec la religion. Non. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit, celui qui rompt pendant le mois de Ramadan, en rendant ça halal, en disant oui, c'est halal, c'est permis de rompre. Et il sait que c'est haram de rompre pendant le mois de Ramadan. Et il dit que c'est halal, il rend ça halal, il est obligé aux dirigeants des musulmans dans un pays musulman de le tuer, de le condamner à mort. Non. Pour vous dire la gravité. Mais si c'est un pervers, il dit pas que c'est halal, tout en sachant que c'est haram de rompre pendant le mois de Ramadan, et lui il dit non, c'est halal, tu peux, mais il ne rompt pas, il aura quand même un châtiment. Il est obligatoire pour le responsable des musulmans de l'attraper, de le faire juger, de lui donner une punition pour ce jour qu'il n'a pas jeûné. Idan ikhwat al-iman, voilà l'importance du jeûne de mois de Ramadan et sa place en islam et son statut. Et subhanallah, avec les dernières années, plus ça va, plus j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui ne jeûnent pas. Et surtout chez la jeunesse. Donc, barakallahu fikum, que celui qui est témoin parmi vous aussi aujourd'hui, qu'il transmette à l'absent. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qur rabbi zidni ilma.